amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi, jour de Jupiter. Alors, jour de l'abondance, de Fortuna, c'est pour ça que je vous ai mis dans la communauté deux choses concernant la coupe des fées, c'est-à-dire à la fois, si vous désirez une statuette de Fortuna, bon, il en a, c'est pour ça que je vous l'ai montré, parce que vous avez été nombreux à me poser la question, plus aussi un parfum où il vous explique où le déposer sur votre corps, tout simplement pour attirer la chance et l'abondance. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose d'efficace. D'autre part, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, effectivement, en magie, pour vous-même. D'accord? C'est des petites choses de temps en temps que je vous présente. Mais avant cela, je voudrais vous présenter deux livres de Marc Neu. L'un de Denis Labouré, Marc Neu, c'est « Prières merveilleuses de l'abbé Julio ». Il ne faut pas oublier que l'abbé Julio avait un caractère de crotte de bique comme moi. Et voilà, pour ceux qui sont plutôt dans la chrétienté, il vous met à l'intérieur. Donc, c'est un petit livre qui ne coûte pas cher. Hein. Je crois même pas 10 euros. Donc, voilà, vous le trouverez à la coupe des fées, bien sûr. Et donc, ce sont des petites prières et des explications qui sont vraiment topissimes. Plus le livre de Marc Neu sur la numérologie au quotidien, décrypter les nombres clés de votre destinée aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, et il fait 15,90 €. Voilà, après c'est juste une petite chose. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer, mais mon huile de contresœur est terminée, c'est la recette de mon arrière-grand-mère, donc attendez, regardez, on va faire descendre toutes les, voilà, toutes les herbes descendues bien. Voilà, je le remets. Elle est restée en extérieur près d'un mois. Donc, c'était volontaire de ma part pour laisser les éléments agir sur l'huile. Alors, certaines personnes conseillent de filtrer. Moi, je ne filtre jamais mes huiles. Je laisse tout à l'intérieur. C'est plus important pour moi. D'accord? Donc, ça, j'en ai pour 2-3 ans à peu près. Voilà, donc elle est faite, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais. D'autre part, je vais vous donner un petit conseil. Alors, vous voyez, c'est mon encensoir, mais il est bien utilisé. Il vient de la coupe des fées, mais il y a 14 ans en arrière, ou 13 ans, je ne sais plus, mais très efficace. Alors, ce que je vous conseille, parce que je vais vous faire un dégagement, ou tout au moins un nettoyage de votre lieu, je vais vous montrer comment moi je fais, comme ça, si vous voulez le faire vous-même, pourquoi pas. Ça peut vous faire du bien, ça évite d'appeler qui que ce soit. Donc, je fais un mélange d'encens de gomme, hein, en fait, d'oliban, de benjoin et de myrrhe. Un tiers, un tiers, un tiers, d'accord? Que je mets à l'intérieur, tout simplement. Je prends une petite bougie témoin que j'éteindrai après parce que c'est une bougie témoin. Je vais prendre, attendez, les encens, parce que c'est un peu noir. Quand j'ai préparé ça... Voilà, attendez, excusez-moi, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, hop. Excusez, hop. Voilà. Vous prenez avec une pince, surtout, vous prenez pas avec les mimines, hein, parce que vous allez vous cramer l'asticot, donc c'est pas la peine. Vous prenez votre, vous voyez, ça commence à pétiller un petit peu. Vous passez sous la flamme de partout. D'accord, c'est pas sorcier à faire, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, vous faites de l'autre côté. D'accord, il faut bien que ça prenne le charbon, parce que sinon après c'est pas efficace du tout. Mais faites-le pas avec les doigts, parce que vous allez vous cramer les enfants, hein. D'accord, voilà, on va le faire ensemble. Voilà. Voilà, donc je le mets dessus, d'accord? Donc j'ai passé au pilon, d'accord? J'ai passé le pilon, les trois éléments, benjoin, oliban et myrrhe, d'accord? Pourquoi? C'est pour nettoyer et à la fois amener de la bonne énergie. Et je vais mettre dessus, attendez, hop, d'accord? Je vais mettre dessus... Voilà, excusez, hein, c'est un peu long, mais il faut vous expliquer les choses convenablement. Vous préparez une incantation. Alors, des incantations, vous en trouverez sur Internet ou ailleurs, d'accord? Et vous faites, alors moi, je vais faire un appel des quatre éléments, d'accord? Allons-y gaiement. Va ressonner fort
Voilà. Et sur ce, je vais le déposer au coin de ma table et ça va me donner à la fois de la bonne énergie pour mon lieu de travail. Donc j'enlève tout ceci et regardez à la fin, je prends un étui noir et je le mets dessus. D'accord ? Comme ça, j'éteins ma bougie. Elle n'a pas besoin de brûler davantage. En plus, le restant, quand il vous reste de... Excusez-moi, j'en ai partout du coup. Quand il vous reste des éléments, bon là je ne vais pas vous montrer parce que c'est mes recettes à moi, je prends des petits pots comme ça, voyez-vous, je mets le reste et je mets une petite étiquette avec ce que c'est et compagnie, donc vous pouvez marquer benjoin, au Liban et myrrhe, tout simplement sur vos petits pots. Alors ça on trouve de partout ces petits pots, hein, Action, Foire Fouille, enfin où vous voulez, et voyez ça se présente donc comme ça. D'accord, ça se présente comme ça, donc la myrrhe, le liban, le benjoin, à la coupe des fées, vous trouverez tous les aimants si vous n'avez pas, et vous laissez brûler. Ouh, voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, nous allons aborder la fin des petits hommes gris. Qui sont les petits hommes gris? Ce sont des hauts dits fonctionnaires qui nous beurrent le mou avec des décisions comme le coco et autres, hein, qui nous mettent sur le dos les gens qui viennent d'ailleurs, en fait, tout ça, c'est eux qui prennent des décisions, et clairement, ils commencent à faire des livres, il y en a un qui a écrit un livre contre la populace, ou le populisme, d'accord, donc on rentre dans quelque chose de complètement différent. Étant donné que, parce qu'il faut savoir que ces hauts dits fonctionnaires, ont une particularité, c'est qu'à la fois ils sont payés par l'État, et en parallèle ils touchent des royalties de l'O.T.A.N, il faut bien savoir, de la C.I.A. Donc ces gens-là sont payés pour nous le mettre dans le dos. Donc tout le monde a l'air de se réveiller maintenant par rapport à, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit ici chez les Franchouillards. Donc on va aller voir ensemble, si vous voulez, si c'est vraiment la fin et si on va arriver à se débarrasser de cette caste de gens qui se la pètent, qui se la croient, les bobos, vous voyez ce que je veux dire, qui se la pètent véritablement et qui le mettent bien profond. Enfin, excusez-moi, on a le droit de dire les choses comme elles sont. J'ai pris le, comme elles sont. J'ai pris le Paulusson, bien sûr, et on va voir ensemble, vous voyez, ça continue de brûler, c'est très très bien. Alors, et surtout, alors vous ne l'enlevez pas, vous laissez brûler jusqu'au bout, et moi les cendres, elles vont au fond, après je les laisse. Voilà, une fois tous les ans, voilà, je les jette, d'accord, au vent, à tout vent, hein, d'accord. Voilà, alors... Est-ce que c'est la fin des petits hommes gris et est-ce que, parce que de plus en plus ils sont dénoncés, on les voit que c'est eux qui sont responsables, ben pour le coco par exemple, d'ailleurs on aura l'occasion de parler d'un autre énergumène où il y a des vérités qui sont sorties, et là c'est quand même grave, le véreux en comparaison c'est pas grand chose, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc dites-moi par rapport aux petits hommes gris, si on va arriver à s'en débarrasser, ben avec les fourches, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, j'ai pas dit les fourchettes, quoique, ça peut être efficace aussi, pourquoi pas. Donc voilà, est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser de ceux qui nous mettent plus bas que terre depuis 40 ans, parce que ça fait 40 ans que ça dure, avec l'élection de la Mitterrandine. Voilà. Voilà, avant on vivait dans un beau pays, puis soudainement on est passé à autre chose. Alors, donc dites-moi concernant les petits hommes gris, est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser? Vous aussi, on aimerait bien s'en débarrasser et qu'ils arrêtent de nous pomper! Voilà! Parce que là, ils nous pompent sérieusement, hein. Donc, est-ce qu'on va arriver à se débarrasser? Bon, l'eau pointée point après, oui. Là, il y a le fils de... Mais je vous l'ai déjà dit, donc le fils de Sœur qui n'a plus d'os, je n'ai même plus son prénom, qui essaie de mettre maintenant le boxon dans les Balkans.
Voilà, il y a des gens qui pensaient qu'ils seraient au sec, c'est le cas de dire dans les balcons, mais pas du tout. Ça va venir chez eux de toute façon. Voilà. Donc, dites-moi concernant les petits hommes gris, est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de cette flopée d'enflure? Connaissez mon langage, hein? Voilà, tout simplement. Mais faites-le de temps en temps parce que vous verrez, vous vous sentirez mieux dans votre espace de vie. D'accord? Voilà, hop. Alors, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, on voit effectivement des gens qui vont tenter de faire. Ah ouais. Bon, c'est bien eux dont on parle, hein, d'entrée de jeu. Là, ils se croient au-dessus de la mêlée, ils se croient au-dessus de tout, au-dessus de la juste qui n'a plus de tisse. Ils se croient au-dessus de du sacré. Pour eux, ils sont au-dessus de tout, mais je leur annonce qu'il y a une fin qui est annoncée. D'accord? Mais pour l'instant, ils se croient encore au-dessus de tout, des lois, de tout. Enfin, on ne peut pas, vous avez vu ce qui est en train de se passer au niveau des écoles. Ils ont vraiment tous les droits pour nous bananer, mais je pense que ça va coincer maintenant. De toute façon, vous savez, enfin, moi j'ai toujours été dans le privé, j'ai jamais été fonctionnaire. Voilà, donc on se débrouille toujours, quoi. Donc ici, tentative de manipulation de la populace. Vous entendez bien? Manipulation de la populace. Et ils vont tenter de manipuler le briqueton et sa cohorte de sbires. Ils vont tenter. Mais là, il y a une prise de décision. Ah, apparemment, ben, c'est ce que je vous avais dit par rapport à Bricaton qui commencerait à retourner sa veste. Bon, avec Kata qui ne fait plus pipi au lit. Je vous dirais, je vous avais dit que lui, il avait changé sa veste, mais lui est en train de la retourner. Notamment, il parle d'aller contre légèrement. Pas légèrement, les points germants, d'accord, légèrement de l'autre côté du Rhin, notamment pour les centrales à charbon qui polluent un max, et après ils nous disent parce qu'ils veulent supprimer notre nuclé.r. En fait, si vous voulez, là, je pense qu'il va se réveiller, parce que ça me donne là, enfin, qu'il se réveille ou pas, on s'en tape, que j'ai de l'affection pour lui, certainement pas, mais disons que ça va être une véritable pièce de théâtre. Où, de toute façon, j'ai vu que l'Italie rentrait dans le lard des Germans, justement, par rapport aux O.N.G qui récupèrent les gens qui viennent d'ailleurs, et parce qu'ils sont payés par les Germans. Donc, si vous voulez, ça commence à. Ben, ça sent le soufre, hein, ben, c'est ce que je m'attendais. C'est pour ça que, les amis, il faut arrêter de paniquer en vous disant que vous allez recevoir comment dirais-je, une grosse masse sur la figure venue des poupous ou quoi que ce soit. Arrêtez, 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 arrêtez. Tout va très bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème, Madame la Marquise, comme dirait l'autre. Mais là, je vous dirais, il faut arrêter de flipper. Par contre, il faut regarder ça comme une scène de théâtre. Et je vous dis encore une fois, retrouvez-vous dans vos familles, vos voisins, enfin les gens que vous aimez, c'est le but principal. Et regardez la pièce de théâtre et restez serein, surtout restez serein. La seule chose que je vous dis par rapport à la dangerosité, ça va être plutôt dans les grandes villes, voire certaines campagnes, aussi pour des gens qui viennent de l'étranger, où on voit beaucoup d'enfants, de jeunes qui disparaissent, enfin, etc. Des gens qui sont massacrés dans les rues, même des femmes. Donc, si vous voulez, là, oui, je dis, il faut faire gaffe quand même. Si vous sortez le soir, pour l'instant, c'est pas recommandé et recommandable. En parallèle de ça, je viens de voir une image, donc je vous la donne comme d'habitude. Gros problème à Nice, à venir. Énorme problème à Nice, à venir. Voilà, ça me dit sincèrement parce que je vois l'escroc bien zizi avoir énormément de problèmes là-bas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une rupture. D'accord, même le briqueton va s'emmêler apparemment pour rapport à cette rupture vis-à-vis de la peste aux étoiles aussi, parce que les petits hommes gris sont bien là-bas pour nous le mettre, ce que j'appelle moi des infiltrés. Hein. D'accord, donc il y a quelque chose soudainement qui va se passer au sein de la peste aux étoiles où ça ne passera plus du tout. Bon, pour l'Ursulette, mais ça on le sait.
Elle ne veut rien voir, rien entendre. Apparemment, elle a signé un autre contrat, donc on ira voir ça aussi. Donc, on va passer ses fers, hein. D'accord? Voilà, pour moi, c'est une folle. C'est une folle, hystérique. Voilà, il faudra la mettre avec 10 bons hommes, qu'on en soit bien débarrassé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oh, je suis pas tendre, hein. Je suis pas tendre. Donc ici, qu'est-ce que nous avons par rapport aux petits hommes gris? Ah ben, c'est la fin pour eux, c'est-à-dire que si vous voulez, il va y avoir, alors ça commence par l'école, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir une remise en question parce qu'ils sont payés des blindes, hein, ils ne sont pas payés des petits salaires, ils sont payés des blindes, plus sont payés en plus par des organismes privés pour nous mettre bien en l'air. Au niveau professionnel, il va y avoir notamment même au niveau de l'éducation nationale, parce que là, ça sort là. Et tant mieux, il va y avoir un changement radical dans cet ensemble. Il y a une prise de décision parce qu'ils apparaissent ici comme des ennemis à notre nation. Ils vont rien comprendre au problème, hein. Ils vont rien comprendre. Alors là-dedans, j'entends aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Là, j'entends aussi les Sénats qui n'ont plus à l'heure. Voyez-vous, j'en ai vu un petit bobo. Voilà, un héritier de la Mitterrandine, on l'a vu hier. Franchement, déconnecté, à côté de la plaque, tout ce que vous voulez. Voilà, donc là c'est clair. De toute façon, il y a plein de choses qui sortent, notamment, vous savez, vis-à-vis du coco. Il y a actuellement, nous avons comment dirais-je, des procédures qui sont en cours, notamment en Afrique du Sud et en Australie. Il y a des enquêtes très profondes en Australie. Voilà, donc même vous allez voir au monde du bidon là-bas, ça va y aller tout azimut. Pour ça que moi, à titre personnel, je m'affole pas. Et je vais même vous dire un secret, les amis. Vous savez, au départ, je voulais pas déménager parce que j'étais bien dans mon appart et que tout se passait bien pour moi. J'avais un bel appart, très bien. Et mon mari m'a dit, Chris, non, non, on reste pas là et on part. Bon, là où on est aujourd'hui, à des kilomètres, quelques kilomètres de Valence. Et ben, vous savez ce qui s'est passé? Je crois que c'est la semaine passée. Nous avons une de nos amies, Catherine de Lyon, qui m'a envoyé une vidéo. Effectivement, mon quartier a été tout cassé. D'accord? Ils sont arrivés avec des barres de fer et compagnie à Valence, et ils ont tout cassé. Vous comprenez? Donc, comme quoi, il faut écouter l'au-delà. Et si l'au-delà, faut avoir le sens de comment vous dirais-je, le discernement. D'accord? Si vous méditez, si vous priez, ils vont vous emmener là où vous devez être. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si l'au-delà m'a mis à l'endroit où je suis, c'est que je suis safe, je suis tranquille, quoi. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, faites vos méditations. Donc, voilà. Il y a des fois où vous savez pas la raison pourquoi les choses se passent, mais plus tard, vous le savez. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, écoutez leur monde de ces petits hommes gris, si vous voulez, pour moi, et c'est la fin de ce corporatisme, et ça va être la chasse aux sorcières, mais pas, j'aime pas le mot sorcière, mais ça vous le savez dans mon sens à moi, mais chasse aux sorcières me dirait plus pour cette cohorte de frappadingues, puisque c'est bien eux qui sont, qui représentent le monde des diablotins, qui représentent des cercles de pouvoir. De temps en temps, qu'on retrouve ma.fi.e. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, au niveau international, il va y avoir des actions, des actes. Oh là 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 là. D'accord. Bon. Au niveau international, donc comme lo.m.s, comme lo.n.u, vont avoir énormément de problèmes. Parce que les gens ne veulent plus accéder à leur stupidité et qui ils sont pour nous donner des ordres. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'ici, ils passent pour des escrocs. Donc, il va y avoir une uprising. Uprising, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, pas une révolution, je dirais, un ras-le-bol de la populace, si vous voulez, par rapport à ces instances. Et on ne va plus du tout les écouter. Et ce sera pas plus mal. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Fin du contrat. Là, ben ça, c'est parfait. Mes chéris, c'est parfait.
Alors, nous rentrons dans une phase, je vous ai dit qu'on rentrait dans le glissement, et l'année prochaine, nous aurons surtout des dates, j'avais parlé du, je crois, du mois d'avril, hein, quelque chose comme ça, autant je me souviens, mais aussi du mois de juin, alors là, costaud, et là, ça me dit que clairement, c'est un monde d'escrocs, c'est un monde de cette cohorte de frappadingues et de, ben écoutez, leur niveau de vie risque de changer sérieusement. Eh bien, qu'on foute déjà dehors tous ces gens qui sont inutiles, vous êtes d'accord avec moi, et automatiquement, on sera bon débarras. Eh bien, écoutez, ils iront faire les poubelles, ils iront aussi travailler dans les restaurants. D'accord? Voilà. Ça fera du bon, voilà, et puis ils se la pèteront un peu moins. Vous comprenez? Ils se la pèteront un peu moins. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord, il y a quelque chose. Attendez. Là, j'ai quand même une, je dirais une assemblée qui se mettra en place, si vous voulez, d'une discussion. Il y aura une discussion vraiment sérieuse qui sera cachée, mais contre ces sbires et, par rapport à leur argent. Ils ne vont pas vouloir revenir en arrière, eux. Mais ils seront forcés dans le temps parce que la populace ne fera pas que grogner. Enfin, la populace, alors je n'accuse personne, vous savez, il faut prendre les choses comme elles sont, va commencer à réagir, mais pas réagir dans le sens qu'ils attendent. Enfin, qu'ils attendent eux, d'accord. Ils croient qu'on des mauviettes, hein. C'est pour ça qu'ils agissent. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben tiens, je vous le dis, d'accord? Il y aura une non-communication sur un projet sur nos propriétés, d'accord? C'est-à-dire, ce qui vous appartient, ils vont vouloir tout récupérer, tout prendre. C'est le projet de Bruno, celui qui est les plus maires, mais toute sa cohorte, d'ailleurs, ils mettent leurs histoires de... Moi, ça m'amuse pour l'instant, parce qu'après, si vous voulez, ça va retomber et ils vont se prendre une gamelle... Mais ils vont se prendre une gamelle avec cette histoire. C'est ça qui va mettre le feu aux poudres. D'accord? Ben, on l'a ici. C'est bien l'histoire des feux aux poudres. Et il y aura une prise de décision de la populace. Là, il y a une non-communication de saisir toutes les propriétés et les mettre au nom de les pointards. Nous sommes vraiment dans une dictat, les enfants. Il faut l'entendre, hein. Donc, au niveau des familles, donc ça c'est bien la peste aux étoiles, qu'est-ce qu'ils nous veulent cela? Bon, encore une fois, je vous dis, faites gaffe aux enfants. J'arrête pas, je pense que j'arrête pas de vous le dire, de vous le dire, de vous le dire, on me dit, oui, mais Chris, regardez déjà ce qui se passe tout le temps. Mais je vois, ouais, non-communication par rapport aux enfants, ils vont faire quelque chose, ils vont reprogrammer les enfants. Faites attention, hein, les enfants, par rapport au pic-pic, hein, tous ces trucs-là. Faites véritablement attention parce qu'ils ont des projets tout à fait machiavéliques et malsains vis-à-vis des enfants. D'autre part, je vois énormément de choses. Bon, il y a des fois, j'ai des flashs, vous savez, comme la petite qui est partie en Alsace là-bas, qui a disparu. J'ai eu des flashs avant-hier soir. Et chaque fois, on me dit non, tu n'en parles pas. D'accord, donc je n'en parle pas, d'accord, mais voilà, c'était pas, j'ai vu les gens, j'ai vu ce qui s'est passé, mais bon, après on me dit, il faut rien dire, bon, je ne dis rien, il faut laisser faire la police son travail. Colère, d'accord, une décision par rapport à la colère financière, des choses qui vont être, qui vont circuler, donc ils vont vouloir, les petits hommes gris, mettre des projets en place et compagnie. Et à l'arrivée, ils vont mettre des projets en place par rapport, voilà, mais il y a une colère de la populace de toute façon très très importante qui sera prise en compte dans un premier temps. En fait, si vous voulez, ce gouvernement Clément ne sait plus du tout où il va parce qu'ils sont pris la main dans le sac tout le temps. Et ben dis donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc ici nous avons des, il se pose la question, il y a des prises de décision, il y a une action d'engagé ferme,
compte, mais non, là, ça me dit clairement qu'il y a un projet qui n'aboutira pas. Il y a une tentative, vous savez, par rapport à une nouvelle potion, je vous en avais parlé, etc. Mais ça n'aboutira pas. C'est-à-dire que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, vous voyez bien, Bricaton, plus personne l'écoute. On sait très bien que c'est de la com. Et c'est dû en même temps tout le temps. C'est la technique du serpent qu'il adopte. Bon, ben, écoutez, c'est ses choix. Mais là, je vous dis qu'il y a un changement radical. Alors je vois, excusez-moi, mais je vais vous le dire, les choses, il faut que je vous le dise, hein, de toute façon, par rapport au coco et les, comment ça s'appelle, pipi, on va le dire comme ça, va y avoir encore des gens qui vont partir, et beaucoup. Et beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est clair. Alors j'ai vu à la télévision, enfin sur YouYou, hein, il y avait des médecins qui donnaient des traitements. Donc, allez voir ça. Je vous donnerai, je dirai pas lesquels. Hein. Je n'en ai pas le droit et je le ferai pas. Donc, retrouve, attendez, excusez-moi. Nous retrouverons notre équilibre. Ça parle de la populace. Nous retrouverons notre équilibre dans un blocage certain. Je vous dis un blocage certain. Et je vous dirai dans un blocage certain. Et il faudra que vous fassiez attention aux associations. Les amis, faites attention à qui vous parlez, parce que vous pourriez vous retrouver dans l'ennui. Bon, si c'est votre famille, vos voisins ou quoi que ce soit, ça va. Mais je dirais, faites attention à qui vous vous confiez, parce qu'à mon avis, ça va être costaud. Mais là, ça va être blocage, si vous voulez. Mais on retrouve notre équilibre par la suite. Pour moi, c'est excellent vis-à-vis de la populace qui va bloquer les choses. Alors, est-ce que ce sera comme les gilets qui ont la jaunisse, non. Je pense que ce sera quelque chose de complètement différent, mais je pense que les gens vont se lâcher. Voilà. Donc, par rapport au projet, vous savez, de nous piquer nos propriétés et tout, ça ne se fera pas. D'accord? Donc, faut arrêter d'avoir peur, les amis. Arrêtez d'avoir peur parce que, voilà, c'est comme ceux qui quittent la France et compagnie. Je vous avoue, je me suis posé la question à un moment donné et aujourd'hui, j'en ai parlé avec Anne Couéla, vous savez, la magnétiseuse au téléphone. Et elle a le même ressenti que moi, non, il n'y a pas de problème sur le sujet. Donc, une réussite, c'est comme, bon, l'euro, je ne le vois pas partir. Par contre, que la peste aux étoiles disparaisse telle qu'elle est, c'est une certitude. De toute façon, on va tomber sur des tas de gens qui vont commencer à parler contre l'Ursulette et cette commission de Frappanel. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y en avait d'autres du temps de Nicolas Le Nain. Qui ont, voilà, qui sont bien engraissés sur le sujet. Donc je vous dirais oui, ça part en vrille, hein, de toute façon. Cette cohorte, si se croit protégée, ce ne sera pas pour 36 ans, ça je vous le garantis. Là, vous allez voir, on sera de mieux en mieux et de mieux en mieux lotis. Pour moi, j'ai confiance en totalité. Par contre, je vous le dis bien. Il va y avoir, et je reviens sur ce sujet, tant pis, je vous harcèlerai pour vous le répéter, entre communautés, je vois LGBT dans un premier temps et une autre communauté, mais communauté qui, voilà, mais aussi une communauté de gens qui arrivent juste maintenant de l'extérieur, d'accord, et une communauté qui est bien installée depuis des années, où là, ça va partir en vrille et pas qu'un peu. D'accord? Donc, si vous voyez ça, s'il vous plaît, les amis, vous ne restez pas au milieu. Voilà, même les garçons, vous jouez pas les cacous, vous rentrez chez vous. Voilà. D'accord? Parce que là, ça va être excessivement violent et il faut être cool et tranquille. Et de grâce, je dis à nos amis, si vous avez des filles ou des jeunes, eh ben, plutôt que de les laisser marcher à pied, vous les amenez en voiture. D'accord? S'il vous plaît. Parce que sur la route, on peut rencontrer, c'est une info que je vous donne. On peut rencontrer une camionnette blanche avec deux personnes et qui vous transporte en Allemagne. Voilà, je viens de donner un point important. Voilà, puisque j'ai deux personnes, voilà, elle est donc comme une camionnette blanche, enfin une voiture camionnette blanche, et pas une moderne, une ancienne, et transportée directement en Allemagne. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres et on se retrouve demain pour d'autres aventures. En attendant, je vous dis bonne journée, soyez pas sages, faites mon petit truc, vous verrez, ça vous fera du bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, et vous verrez, c'est très très bien. Vous trouverez ça à la coupe des fées et tout ce que vous désirez, il n'y a pas de souci. Gros bisous tendres, bonne journée, bye bye.